Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la formule des produits remarquables dans un exemple simple. Alors tout d'abord, ce qui arrivera très très rarement, c'est simplement pour une initiation, dans un exemple où il n'y a que des chiffres, nous allons voir comment ça se passe. Alors, pour rappel, la formule que vous devez connaître par cœur est a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. N'oubliez pas le double produit. Je vais commencer par calculer un exemple que nous avons vu dans une vidéo précédente où je vous demandais de calculer entre parenthèses 3 plus 2 le tout au carré. Donc avec les priorités opératoires, je calcule d'abord dans les parenthèses 3 plus 2, ce qui fait 5, le tout au carré, ce qui donne 25. Maintenant, je vais appliquer la formule que nous venons de voir, 3 plus 2 le tout au carré. Donc je vais procéder par identification. Je vois que c'est une somme qui est mise au carré, A vaut 3 et B vaut 2. J'ai dans ma tête la formule, bon ici sous les yeux, A au carré plus 2AB plus B au carré, je n'oublie pas le double produit. Je vais donc appliquer cette formule, A vaut 3, donc je commence par calculer A au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Après, j'additionne plus le double produit, donc 2 fois A fois B, A vaut 3, B vaut 2, donc 2 fois 3 fois 2. 2 fois 3 fois 2. Ensuite, plus b au carré. B vaut 2, donc plus 2 au carré. J'ai détaillé le calcul. Si on peut faire les calculs de tête, on le fera, hein, on verra par la suite. Là, simplement parce que c'est un premier exemple. Donc 3 au carré vaut 9. 2 au carré vaut 4. J'ai calculé les puissances en premier. Ensuite, les multiplications. 2 fois 3, 6. Fois 2, 12. Donc plus 12. 9 plus 4 égale 13. Plus 12. On retrouve le 12 qui manquait dans la toute première vidéo. Le voilà, c'est le double produit. Si on fait 3 plus 2 le tout au carré égale seulement 3 au carré plus 2 au carré, on trouve 13. Il ne faut pas oublier le double produit. Alors dans cet exemple, évidemment, on ne s'embêtera pas à appliquer la formule des produits remarquables, on appliquera les priorités opératoires pour aller beaucoup plus vite et en plus c'est beaucoup plus simple. J'ai simplement utilisé cet exemple pour une initiation.